Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Mesdames et messieurs, tout témoignage exclusif pour votre plaisir. Nous sommes maintenant évidemment sur le Mont Royal. Vous allez comprendre dans un instant pour votre plaisir, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Le Mont Royal, c'est une colline qui domine la ville de Montréal. Au Québec, il s'agit donc de l'une des 10 collines Montérégie, il faut le rappeler, située donc dans le sud-ouest de la province. L'historique, on s'en moque complètement, mais le plus important ici, évidemment, c'est la vue que ça donne. Et c'est celui, évidemment, qu'a choisi notre invité, mesdames et messieurs, pour votre plaisir, c'est bien sûr Dieu Soul, avec qui nous allons parler culture, si on peut me dire ainsi. Soul, bienvenue sur Espace TV. Bonsoir. Bonsoir Lamine, et ça fait plaisir de te retrouver à Montréal. C'est ça. Après combien d'années? Plus de 6 ans. Oui, 6 ans, après 6 ans. C'est ça. Ouais. Ça va? Oui, ça va bien. Ah, bon, ça me fait plaisir de te retrouver dans ce lieu, on va dire, historique et mythique en même temps. DJ de formation, si je peux me dire ainsi, en tout cas, c'est l'activité connue ici dans la ville de Montréal. Ouais. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Et comment on s'en sort? Comment on vit quand on est Guinéen à des milliers de kilomètres de Conakry ou de Guinée? Ça se passe très bien. Pas facile parce que de l'autre côté, on pense à la famille et on s'ennuie un peu parce que, bon, avec moi, ça va mieux parce que je suis en pleine activité, beaucoup de demandes dans la communauté africaine, donc ça va, ça se passe bien. Ouais. Alors, Montréal, tu y es depuis combien d'années maintenant? 12 ans. 12 ans, oui. Facile à s'intégrer ou pas du tout? Pour moi, l'intégration, ça a été facile. Ok. A été facile. Dans quel sens exactement? Dans quel sens? Je suis venu en pleine demande de DJ. Donc, je suis venu ici en 31 décembre 2011. Ok. Donc, le 1er décembre, j'étais en activité. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, donc ça va, ça se passe bien. Ouais. Comment ça se passe avec nos communautés? J'ai pas envie de la communauté guinéenne parce que je sais que tu es sollicité par beaucoup de communautés, de pays, si je peux me dire ainsi. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Et comment on se planifie justement par rapport aux demandes? Ça se passe très bien. Ouais. Il y a beaucoup d'événements. Donc là, je ne suis pas seul. J'ai une maison de communication et de multimédia. Donc justement, je fais le placement aussi des DJ, des différents événements et dans les boîtes de nuit. Okay. Donc ça me permet de me libérer un peu. Ouais. Donc il y a toute une communauté derrière moi aussi des DJ. Je vois. Et comment on s'organise avec ça? Le goût, ce que les mélomanes attendent de vous exactement. Comment ça se passe? Très bien. Bon, dans mon équipe, il y a différents DJ de différentes communautés. Il y a des Burkinabés, Congolais, Maliens, Haïtiens et Colombiens. Donc, donc c'est ça, je planifie par rapport à l'événement et pour faire le booking aussi. Donc je pose tellement de questions. On fait des rencontres parce que c'est professionnel, on est payé pour ça et tout se passe par contrat. Donc on se rencontre, je demande ce qu'ils veulent. Par rapport à ça, je recommande le DJ. Justement. Alors, pour votre plaisir, sur nos antennes, mesdames et messieurs, sur Espace TV, qui est DJ Soul? On va essayer de découvrir notre DJ en quelques secondes ou en quelques minutes. Derrière, on revient ici pour votre plaisir. Merci encore une fois de nous rejoindre, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Témoignage exclusif avec DJ Soul. Retour, mesdames et messieurs, ici donc à Mont-Royal pour votre plaisir, un interview. On va dire témoignage exclusif pour votre plaisir. DJ Soul, on vient de regarder quelques extraits de ce que tu sais faire en DJ. Et j'ai envie de poser la question, au moment où tu débarquais ici en 2011, tu avais pensé une seconde à dire, je vais créer finalement une société qui va regrouper beaucoup de DJ pour faire le plaisir des mélomanes? Sincèrement, quand je venais ici, je me disais que je ne veux plus être DJ. Ouais. Ok. Je ne voulais plus être DJ. Je me dis non, je vais me lancer dans autre chose. Je devais poursuivre mes études, continuer mes études d'ailleurs, que je faisais. Ouais. Mais quand j'animais le premier, j'ai vu l'engouement, l'accueil. Ouais. Tout le monde se dit, ah, DJ Soul est là, tu le connais. Donc, ça m'a motivé. Donc, avec le temps, la demande, je me dis, non, pourquoi pas me professionnaliser, créer une entreprise de communication, parce que j'aime bien l'entrepreneuriat, travailler pour moi-même, être indépendant. Ouais. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'arrive à bouger à tout moment. Donc, c'est ça. Ouais. J'imagine c'est la ville de Montréal, seulement ou bien tu fais le tour au Canada, j'ai envie de dire. Je fais le tour. À Ottawa. Un peu partout. Là, exemple, le 25, je serai à Edmonton. Mm-hmm. Et le 24 à Ottawa.
23 à Gatineau, donc je tourne un peu partout. Ouais. Est-ce que ça a été facile, en fait, de passer de professionnel, j'ai envie de dire, parce que souvent ce qu'on fait, c'est comme un peu en Guinée, où on est plus, comment je vais dire ça, dans l'informel. Comment on quitte de l'informel à se professionnaliser? Oh, il faut s'enregistrer, okay. Officiellement, il y a okay. des taxes aussi à payer, ouais. et créer l'entreprise, donc c'est ça, on décide de vivre, parce que professionnel, être professionnel, c'est de vivre de son art, ouais. donc c'est ça, et quand on veut vivre de son art, donc tout doit être dans le formel, okay, exact. On doit être, on doit régulariser les papiers, les mm-hmm. documents, donc c'est ça, être reconnu, d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai reçu pas mal de certificats du Premier ministre, du Canada, la reconnaissance, donc l'influence que j'ai, l'impact que j'apporte par rapport à la jeunesse. À la communauté et tout ça. Oui, à la communauté, donc c'est ça. Ouais. À la fin, on se dit, ok, l'entreprise créée, j'ai des travailleurs, j'ai des Didier qui bossent pour moi. Oui. Comment on s'organise à la fin du compte? Comment on arrive à te contacter pour animer, je sais pas, un mariage, l'anniversaire ou même la ville de Montréal? J'ai un site web, okay. Didier Soul, le sorcier. Okay. Et l'entreprise aussi a un site web, okay. Galet Multimédia. Okay. Donc, groupe, okay. on a un site web et il y a les numéros, on est sur les réseaux sociaux ouais. aussi, donc on est joignable à tout moment. Ouais. Le nom de l'émission, c'est Témoignage exclusif. J'ai envie de savoir, Didier Soul, depuis 2011, tu es là. Ce côté qui t'a marqué forcément ici, dans la ville de Montréal, je sais que tu as beaucoup d'amis aujourd'hui ici, mais il y a des moments où on est un petit peu dans le noir, où on broie le noir, on se dit... Stop, c'est bon, je me retourne d'où je viens. Est-ce que c'est arrivé, toi, à un moment donné? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Okay. Ouais, à un moment, on est fatigué de tout. On se dit, ben, d'ailleurs, pourquoi on est là? Ouais. La famille est en Afrique et on veut rentrer. On rentre aussi. Après, on se dit, non, on n'est pas prêt d'abord à rentrer définitivement. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui me retient? Je me dis, il faut que j'ai quelque chose à faire en Guinée. Ouais. Je dois être serviable, je dois apporter quelque chose. Ouais. Et pas aller refaire ce que tout le monde fait. Okay. Donc je dois apporter un plus. Wow. Et je suis à la recherche de cette plus-là. Wow. C'est pourquoi je ne suis pas rentré d'abord. Ouais. Et Inch'Allah, c'est pour bientôt. Lui, c'est vraiment un sorcier. Mais c'est ça le truc, en fait. C'est qu'il fait ce que tout le monde ne fait pas. Et ça, c'est super important. Justement, tu touches à la plaie. Et comment tu arrives à détecter ce que tout le monde ne fait pas en Guinée? Parce que, évidemment, les DJ dans les boîtes de nuit, ça existe même dans les radios aujourd'hui, on nous a envoyé un petit peu. Comment tu arrives à te démarquer à la fin? Oui, comment j'arrive à me démarquer? Déjà, chez nous, le DJ, c'est pas un métier noble, mm-hmm. comme on le dit, et pour moi, c'est important que les Guinéens se rendent compte que ce qu'on fait est noble. Ouais. C'est comme si, c'est comme un diplomate, un professeur, quelqu'un qui se lève, qui va au boulot, ou faire... On travaille parce qu'on partage le joie et puis c'est pas juste jouer de la musique. On fait quelque chose de psychologique aussi. Exact. Parce que quand en animant, on a toutes sortes de clients. Mm-hmm. Quelqu'un qui peut venir, qui a un décès, qui a perdu quelqu'un de cher. Donc il faut le sortir de là. Donc on travaille beaucoup plus psychologiquement. Donc, ambianceur en fait. Ambianceur, c'est ça la différence. Ouais. Et pas seulement aussi côté musique. Mais ce qu'on gagne, il faut que ça nous apporte quelque chose, qu'on mm-hmm. réalise avec. Je vois. Donc, avec ce métier aussi, un DJ peut faire beaucoup de choses, pour mm-hmm. réaliser, ouais. pour gérer des entreprises, ouais. un bon père de famille. Mm-hmm. Donc, c'est ça la différence aussi. C'est ce côté que je veux beaucoup plus développer. Mm-hmm. Donc, de ne pas attraper les enfants, les empêcher de faire ce qu'ils aiment. Si c'est d'être DJ, mm-hmm. c'est de le faire, mais professionnellement, avoir des ambitions et une vision aussi. Ouais. C'est ça. Didier Soul, le sorcier, notre invité évidemment exceptionnel, avec votre émission Témoignage exceptionnel ou exclusive. Okay. Trois dates peut-être qui t'ont marqué depuis que tu es au Canada. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu les ramasser si, ou trois années, je ne sais pas. Oh. Année de mariage peut-être, j'en sais rien du tout. 2011, je sais que c'est l'arrivée ici à Montréal. Le jour que je suis rentré, quand je suis arrivé à l'aéroport, quand j'ai quitté l'Allemagne pour venir ici, j'ai dit à personne que je venais. Seulement ma mère, pourquoi? Mm-hmm. Parce que je ne voulais pas qu'on me décourage. Okay. Donc je me suis décidé, ok, c'est fini l'Europe, je m'en vais au Canada. Pourquoi le Canada? Mm-hmm. J'ai toujours aimé un pays de rêve. Donc Canada, l'Australie, c'était des pays de rêve. Donc je me dis non, là je vais. Et quand je suis descendu à l'aéroport, à l'entrée, je dis non, je suis arrivé chez moi. Waouh! C'est cette sensation que tu as eue? Oui. Et j'ai un ami qui me connaissait depuis l'Allemagne.
une semaine, un mois, deux mois, il me demande, tu es sûr que tu veux rester ici? Il n'y a rien ici. Je dis non. Je suis arrivé chez moi, quel qu'en soit PDX, il faut que je m'en sors ici. Et Dieu merci aujourd'hui, alhamdoulilah, et tout se passe très bien. Deuxième date? L'année de mariage, okay. Ouais, l'enfant. Ouais. Oui, c'est venu d'un seul coup ensemble. Okay. Le mariage et... Le bébé en même temps? Le bébé en même temps, donc ça a marqué aussi. C'était une date tournante de ma vie. C'est parce que j'avais divorcé 10 ans après pour me remarier, donc c'était une très grosse décision, donc c'est ça. Ouais. Peut-être, on va dire, une chose qui t'a marqué dans cette ville de Montréal, quand t'es venu en 2011, nous sommes en 2023, aujourd'hui en réalisant cette émission, quelque chose qui t'a marqué et dont peut-être tu ne peux jamais oublier. C'est quoi exactement? Waouh. T'es une colle? Beaucoup de souvenirs qui viennent dans la tête. Ouais, hein. Beaucoup de souvenirs. Ouais. Beaucoup de souvenirs. Qu'est-ce qui m'a marqué? C'est sûr que l'accueil, l'ouverture d'esprit venant de l'Europe, quand je suis venu, tout était différent. Surtout en Allemagne, à tout le temps que tu marches, tu te dis que tu es poursuivi, on peut te demander tes papiers. Malgré que tu as tes papiers, mais tu t'attends toujours à ça. Il y a un petit peu cette peur au ventre. Effectivement, donc à chaque fois que je marche, où je vais en boîte, je vois des gens chialer. Je dis, n'appelez pas la police parce que j'étais un peu traumatisé par ce fait en Allemagne. Donc, ça m'a beaucoup marqué, je me dis. Tu montes dans la voiture, la police arrête la voiture. En Allemagne, tu imagines, on demande tout le monde. Mm-hmm. On ne demande que le chauffeur. Quelque chose d'une première pour moi, donc ça m'a beaucoup marqué aussi. Ouais. Didier Soul, le sorcier, mesdames et messieurs, sur Espace TV, dans le témoignage exclusif. J'ai envie de passer un coup de cœur, je ne sais pas, qu'est-ce qui te fait danser en ce moment? Je sais que quand on est Didier, on n'a pas forcément le choix. On joue n'importe quel son. Je ne sais pas, mais quand je dis n'importe quel son, on essaie de mesurer un petit peu le flair ou ce que le mélomane aime. Mais toi, quel son te fait kiffer en ce moment? Je sais pas moi. Pour qu'on puisse... Le son qui me fait kiffer actuellement, c'est un son guinéen. Ah ouais, ouais. Ok. C'est le jeune Kouri Simple. Ok, ouais. Je viens d'arriver d'ailleurs de la Guinée hier. Ouais. Donc c'est un son que j'ai bien aimé. Mélodie, contenu, et c'est juste. C'est quoi et le son? Le message est clair. Ouais. J'ai oublié... Kiké. Kiké. Oui. C'est clippé ou pas? C'est clippé. Ok. C'est on regarde ça, et derrière, on continue maintenant avec d'autres découvertes. Merci beaucoup, DJ. C'était un plaisir. Ici à Montréal, mesdames et messieurs, sur Espace TV, témoignage exclusif à la rencontre de ces Guinéens qui nous rendent fiers après Didier Soul, un autre entrepreneur guinéen que nous rencontrons ici, évidemment, qui est un ami intime, il faut le rappeler, parce que ben, je le connais personnellement. Soufiane Touré, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Oui, ça va. Heureux de te retrouver ici après plus de 10 ans, il faut le rappeler. Plus de 10 ans, oui. Waouh. Moi aussi. Waouh. Très heureux de te retrouver. Je ne sais pas quelle question il faut le poser en fait. J'ai envie de comprendre, Soufiane. Quand on vit dans des pays comme ça, à Montréal, surtout moi je te trouve ici, je me souviens, nul ne t'est en concours, peut-être je n'aurais même pas resté une semaine ici à Montréal. Il faut le rappeler aux téléspectateurs. À la fin, tu t'es installé là, ta famille est là. Ouais. Qu'est-ce qui te retient tous les jours dans cette ville? Parce que moi aussi, la ville, j'ai trouvé que c'est une ville paisible. Ok. Très accueillante. Ouais. C'est bon pour vivre vraiment en famille. Ok. Parce qu'il y a la tranquillité. Ouais. L'éducation des enfants, c'est ça qui m'a beaucoup retenu. Ouais. L'éducation des enfants. Oui. Et surtout, cette chance peut-être de leur procurer cette éducation, peut-être qu'on ne peut pas avoir en Europe. En Europe, oui. Ouais. Il y a moins de problèmes par rapport à l'éducation des enfants. Hein. Ouais. Tu peux les laisser partir tranquillement. Justement, c'était la question d'ailleurs que j'allais te poser. Ouais, comment ouais. ça se fait, le manque de famille? Parce que j'imagine, tu vis plus en Guinée aujourd'hui qu'ici, à Montréal. Oui, oui, évidemment. Mais je suis tout le temps en contact. Ok. Avec la nouvelle technologie, tu peux pouvoir être en contact avec la famille. C'est vrai. Avec les vidéos, ouais. ça te permet de rester chez nous, mm-hmm. pouvoir aussi servir dans notre propre pays. Ouais.
et aussi tout en étant en contact avec la famille ici. Mm-hmm. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. Ouais. Comment vient le déclic à se dire, OK, c'est bien Montréal, ben, je fais ma vie, je sais un peu comment ça se passe, et tu dis, mais je pars en Guinée, en fait, parce que c'est chez moi. Comment ça se passe dans la tête en ce moment-là? On doute un petit peu ou pas du tout? On peut douter, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? OK. Par rapport à tant d'années qu'on sommes ici, mais à un moment donné, tu te décides. Tu dis, écoute, je peux être utile aussi dans notre pays. Par rapport à l'expérience qu'on a vécue ici, ouais. On peut transporter ça chez nous okay. pour pouvoir servir aussi. Ouais. S'il faut, employer d'autres jeunes. Exact. Le savoir-faire. Ouais. Ça, c'est extrêmement important dans l'entrepreneuriat. Ouais. Combien d'années de vie ici, à Montréal? 20 ans. En 20 ans, forcément, des choses qui t'ont marqué. Oui, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu certaines situations où tu te disais, peut-être c'était fini, il faut que je rentre, je ne sais pas moi. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Ouais. Je sais que il y a l'amitié qui est là. J'ai des amis, j'ai eu de très bons amis. Ouais. Grâce à l'accueil souvent qui nous retient dans les pays comme ça. Ouais. Parce que c'est très loin de chez nous. C'est exact. C'est pas quelqu'un. Ouais. Voilà, c'est pas comme l'Europe ouais. qui est si proche de l'Afrique. Mm-hmm. Pour certains qui voyagent beaucoup, ils le savent. Ouais. Ici, quand tu as de bons accueils, les gens qui t'ont accueilli, tu peux pouvoir rester tout en disant que, écoute, ça m'a beaucoup donné. Ouais. Disons comme ça, le pays là m'a beaucoup donné. Ouais. J'ai créé mon entreprise ici, j'ai fait pas mal de choses quand même. Mm-hmm. J'ai construit ma famille. Ouais. Le pays m'a beaucoup servi, beaucoup donné. Ouais. Et cela m'a permis. Mais quelques dates peut-être qui t'ont marqué à la fin. Tu te dis, c'est le mariage. Je lui posais tout à l'heure la question bien avant toi, il y avait Didier sur ce plateau. Ouais. C'est le mariage, c'est la création de l'entreprise. Ou c'est plutôt le retour en Guinée, je ne sais pas. Je prends trois choses comme ça. Moi, le mariage. Le mariage, d'accord. Si je n'étais pas marié, avoir une femme et des enfants ici, forcément, j'allais quitter. OK. Oui, j'allais quitter. À ce point? Oui, si. Parce que tu te trouves un peu isolé aussi. OK. Oui, tu te trouves un peu isolé. Ouais. Mais comme je disais, il y avait le mariage, il y avait des amis. Mm-hmm. Et puis, à la fin, tu t'es créé quelque chose, un monde dans l'entrepreneuriat. Cela te permet de rester. Parce que tu te dis le matin, j'ai quelque chose à faire. Mm-hmm, c'est vrai. À part de ça aussi, dans le mariage, il y a des enfants. C'est vrai. Donc, si l'éducation tout va bien de ce côté, forcément, tu restes attaché à ce pays. Forcément. Donc, ça m'a marqué. Le mariage, je vais prendre ça parmi ta Je tête. Vois. Et pourquoi Montréal? Parce qu'il y a. Oui. Je sais pas. Il y a Toronto. Il y a Toronto, il y a c'est d'autres la plus grande ville. Ouais, justement. Il y a d'autres villes aussi. Pourquoi Montréal pour toi? Non seulement pour pas mal de personnes qui parlent le français, okay. Montréal ça te retient. Parce que c'est francophone. Francophone ça te retient. D'accord. Même si je parle d'autres langues, mais un endroit francophone ça te retient forcément si tu parles le français. Ouais. Disons comme ça. Ouais. Soufiane Touré, un autre invité, peut-être un coup de cœur à la fin avant de partir. 20 ans ici, tu fais la navette entre la Guinée et Montréal, peut-être un titre qui te fait bouger en ce moment ici, forcément. Enfin, en 20 ans, moi j'ai de bons souvenirs. Franchement, parmi les souvenirs, voilà. Je viens de quitter la Guinée, il fait chaud, le froid, beaucoup de personnes n'aiment pas. Donc c'est quelque chose qui me manque aussi. Ouais. Il y a des moments où ça me manque énormément. Ouais. Et puis, et l'accueil. À chaque fois que je quitte là-bas, je viens, je suis bien accueilli, sincèrement. Parfait. Que ce soit côté gouvernemental, que ce soit côté amical ou la famille. Donc ça me permet franchement d'être attaché à ce pays. C'est la chose qui me marque énormément. Ouais. La ressource, si on peut pas dire. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Soufiane. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Ravi de te revoir moi aussi. C'était en sourdine. Ouais. Chaque chose a son temps. Évidemment, c'est bien ça. Voilà. Témoignage exclusif sur Espace TV, mesdames et messieurs, avec vous et avec nos téléspectateurs. On essaye de comprendre, évidemment, ceux qui font la fierté de notre pays à l'international. L'émission continue dans un instant. Toujours à Montréal, mesdames et messieurs, à la découverte évidemment des éléments essentiels ici. Nous sommes descendus un petit peu. Là, nous on était en hauteur avec nos amis du côté de Montréal. Donc nous sommes à l'extrémité carrément, ici où démarre carrément tout le périple pour découvrir. Si en tout cas vous devez faire un saut du côté de Montréal, il faut faire un tour parce que ça se passe là également aussi, surtout de nuit. Merci de nous rejoindre sur Espace TV.
L'image qu'on porte de la Guinée, c'est une image qui est souvent très négative. Ouais. C'est une réalité parce que c'est ce qui est projeté. Exact. Donc il y a des gens comme toi qui êtes rentré, qui avaient connu ici, qui vous avez lâché tout ce confort-là pour rentrer. Nous, on a envie de savoir comment est-ce que vous avez fait. Ok. Comment vous faites. Un partage d'expérience, en fait. Voilà, comment vous faites pour rester là-bas malgré tout ce qu'on dit. Ouais. Et puis comment vous en sortez. Ouais. C'est parce que tu parles du côté sanitaire. Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. L'école des enfants. Ouais. Après, c'est un état d'esprit. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un état d'esprit parce que c'est jamais facile. On part dans ces pays-là, comme tout le monde pense que ça va être un échec, et vous dites à la fin, c'est réussir ou mourir. Ce n'est pas le titre d'un film. Hein. Mais après, c'est une question de mentalité, en fait. Tu vois, c'est une question de mentalité. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où tu doutes, où tu te dis, c'est bon, basta, je vais rentrer. Mais un appel d'un auditeur, par exemple, le matin, à 6h, qui se défoule à l'antenne, et ça fait tout le déclic, en fait. Je te dis non. Voilà. Au moins, tu as servi à ça aujourd'hui. Après, tout ce qu'on peut imaginer. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, je dis l'impact. Voilà. C'est l'impact qu'on fait sur la société. Qui permet de. Voilà. À travers la télé, à travers la radio. Voilà, non, mais il y a beaucoup d'expériences comme ça. Mais tu sais, c'est souvent ce qui ressort le plus, c'est les mauvaises expériences. Parce que souvent les gens en parlent beaucoup. Je suis allé, j'ai essayé tel truc, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un état d'esprit. D'un état d'esprit. Parce que quand on n'est pas fort mentalement, évidemment, tout est fait pour qu'on puisse te mettre out, quoi, pour que tu puisses rentrer. Après, si tu es prêt mentalement à dire ben, je suis venu, c'est un combat, ouais. Il faut que je gagne. Il n'y a pas de raison. Moi, il n'y a pas ce que j'ai pas subi en 2006, 2007, quand je suis rentré avec l'espace. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mmh. Moi, on me disait aussi se préparer. Il n'y a pas vraiment de préparation. Je dis, c'est un état d'esprit, quoi. Ah ouais. C'est un état d'esprit parce que quand tu vis avec ta famille ici, évidemment, tu as envie de les mettre à l'abri. Toi, tu vas au front, comme un militaire. Un militaire, non, voilà. C'est un peu ça. Après, avec le temps, tu vois comment est-ce que ça peut se faire. Ouais, je vois. Mais le parallèle que tu fais au combat. C'est ça, je parle d'un état d'esprit. Parce que un combat n'est jamais gagné. Non, si c'est pas fait. Ouais. Voilà. Tout à fait d'accord. Ouais. Ça te tente, toi, de rentrer? Sincèrement, j'ai envie de rentrer. Je peux. Et qu'est-ce qui te bloque? Famille. Ça, c'est un piège. La famille, c'est un piège. C'est ça. Moi, je veux te dire, quand je vais à Paris et je sais que demain, je vais bouger, ouais. Mais je ne passe jamais la nuit à la maison pour quitter le matin, okay. À voir les enfants partir. Parce qu'après, émotionnellement, voilà, ça fait un truc. C'est ça, en fait, le truc. Moi, c'est beaucoup ça. La famille, tu t'es dit, bon, est-ce que si je vais maintenant, ils sont petits, est-ce qu'ils vont se rappeler de moi? Est-ce qu'ils sauront que je suis là pour eux? Ben oui, non, forcément. C'est un peu ça. Non. Ouais. C'est fou ce qu'il dit. Ouais. Depuis que je suis arrivé ici en 2009, il y a un homme qui est ici, c'est le doyen en fait. On l'appelle le doyen de la communauté parce qu'il a 85 ans. Il est très solide, plein de femmes. Je veux dire, depuis que je suis arrivé ici en 2009, chaque année que je discute avec lui, il me dit « Ah, janvier, moi, je rentre. » Oh, janvier, moi aussi. Tu comprends? Chaque année, il me dit « Moi, en janvier, je rentre en Guinée. » Mais il est encore ici. Pourquoi? Parce qu'il a des attaches au Québec, il a des attaches au Canada. Donc, c'est difficile pour lui de laisser tout ça puis rentrer en Guinée. Puis c'est les gens qui sont sortis de la Guinée avant l'indépendance de la Guinée. Wow. T'imagines? Avant l'indépendance de la Guinée, ils sont sortis, ils ont fait la France, ils ont fait l'Europe, il a fait l'armée française. Puis il a immigré au Canada en 1976. Donc, 73. 76. Donc okay. C'est parmi les premiers avec M. Touré qui a fait. C'est ça. Touré que j'ai rencontré d'ailleurs. Voilà, M. Touré, M. Gadir Diakité, tous ces gens-là sont arrivés ici au milieu des années 70. Ils ont créé les premières associations guinéennes. Chaque fois, il dit l'année prochaine. Mais depuis que je suis arrivé ici en 2009, chaque fois que je parle avec mon oncle, ah non, moi je suis fatigué d'ici avec l'hiver, etc. Il faut que je rentre. Mais
tu es ancré en fait dans la culture d'ici ou dans la routine d'ici aussi, tu vois. Et c'est la même chose pour nous les jeunes. On commence à fonder une famille, on a une femme, des enfants, on a un premier enfant qui est jeune. Puis là, tu penses justement à la Guinée, tu penses à toutes les contraintes, à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tout ce que tu vois à la télé. Tu as l'impression que c'est la catastrophe là-bas, donc tu ne fais pas le premier pas. Et chaque année, tu reportes, tu dis, OK, quand mes enfants après, vont grandir un peu, je vais le faire. Justement, moi je pense, et d'ailleurs j'en parlais ce matin avec une amie, je pense que le piège qu'on fait, c'est que justement, vu qu'on est tellement dans la routine, je pense que si on veut rentrer, il faut s'arrêter un moment et se dire, OK, je veux rentrer, je me donne un deadline, puis je me fais un plan pour rentrer. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, on va toujours être dans la routine, ça va continuer, ça ne va jamais s'arrêter. Ouais. Il faut se faire un plan. Se dire, OK, moi, d'ici 5 ans, il faut que je rentre, et voici mon plan. Et tu ne peux pas être prêt. Toi ou pas du tout? Un essai. Là, en fait, je commence à retourner de plus en plus. J'ai quitté la Guinée en 99. Donc, ça fait 24 ans, 23 ans maintenant, tu vois, que j'ai quitté. Vécu en France 10 ans, puis arrivé au Canada en 2009. Donc, depuis là, je suis au Canada. Avant, je rentrais tous les 5 ans. Donc, je suis allé la première fois en 2003, ensuite en 2009. 2009, 2015, donc c'était quand même espacé. Mais là, depuis 2015, je suis allé en 2017, 2019, 2020. Puis là en 2022, c'est ça. Donc là ça commence à se rapprocher. Donc je vois. Donc je me dis il y a de l'espoir. Non, il y a un piège en fait. Mmh. C'est ça qui rend difficile. Ouais. Mais être convaincu qu'il faut faire son plan. Et comme on dit en anglais, stick to it. Des embûches, il y en aura. Ouais. C'est l'état d'esprit en fait. C'est l'état d'esprit. C'est des embûches, il y en aura. Faut juste et accepter de vivre les réalités du terrain. Exact. Comme les Guinéens. C'est ça. Mais c'est ce que je fais en fait. C'est exactement ça. Voilà. Si tu veux vivre ça, tu te déconnectes complètement de la réalité. On ne peut pas faire la comparaison. Vivre là-bas et comparer avec ce qu'on vit ici, c'est pas possible. C'est l'état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit. Après, le reste, c'est facile de dire. Mais aussi, tu vas jamais trouver ce budget pour dire je vais aller avec ça en Guinée. En tout cas, si tu dois faire un projet sur place, il faut juste se dire, OK, je prends le nécessaire et je m'en vais. Le reste, ça se fera sur place. Voilà. Moi, je me dis, bon, il faut que j'ai 300 000 euros pour faire une radio. Or, je sais qu'avec, mine de rien, 25 000 euros, je peux avoir au moins les bases. Un émetteur, des dipôles, des magnétos et tout ça pour faire de la radio. Qu'est-ce qui m'empêche de partir? Le reste, ça se fait sous le temps. Avec les sponsors, plus de valeur. C'est comme ça que je fais, avec l'espace. Moi, j'ai mon petit frère. Ouais. Lui, il a zéro Corée. Ok. Pour tout dire, il est allé. Il fait son doctorat dans les villages là-bas. Il fait de l'anthropologie. Ok. Donc, il est sur le terrain, ça fait des années. Mais tu sais, après, la pression familiale, t'es là, t'es rentré. T'es étudiant encore, t'as fait beaucoup d'années, jusqu'à présent t'es étudiant. Ouais. Donc souvent c'est pas évident. Tu vois le résultat du travail que tu fais parce que t'apportes de la connaissance au pays. Oui, c'est ça. Merci. T'apportes de la connaissance au pays, tu fais des recherches, tu fais des choses qui vont être très importantes pour le pays. Mais derrière, c'est quoi en fait? C'est le regard des autres. Au-delà du regard des autres. Oui, mais c'est ça en fait. Non, mais au-delà du regard des autres, c'est ton incapacité souvent personne de pouvoir répondre à certaines choses. Non, je ne suis pas d'accord. Tout dépend en fait de l'objectif que tu te fixes. Allô, monsieur. Voilà, moi je veux dire, quand je suis allé, à un moment, parce qu'ils m'ont tellement fatigué pour avoir la licence d'espace à l'époque, j'avais 24 ans. Ouais. On me dit, il faut faire une enquête de moralité. Parce que quelqu'un n'est pas derrière moi, un grand patron et tout ça. Et je prends ça positivement parce que mon grand-oncle qui m'a élevé me dit « Basta, c'est bon quoi. Écoute, t'as déjà l'agrément, confie la radio à quelqu'un et va-t'en. » Je me suis senti comme si on me chassait en fait. Mais je voyais ça vraiment comme quelqu'un qui a mal parce que tu souffres. Après 20 ans, merci. Est-ce qu'il y a un sentiment de satisfaction aujourd'hui par rapport au pays? Non. Ah, il est... Mais moi, je me dis... Ben oui. Un sentiment, en fait, c'est que... Moi, je me dis, en fait, c'est que des fois, je me pose des questions. Je me dis, ben, je fais un travail ici.
mais en fait, je suis noyé parmi des compétences énormes. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Pour la première fois, en fait, des camarades de Guinéens vont aller à l'intérieur du pays, vont aller sillonner le pays, vont dire les réalités du pays, sans que ce soit nécessairement RFI ou je sais ouais, qui. Ouais. Je me suis dit, waouh, ouais. C'est vraiment quelque chose à vulgariser, ouais. À refaire et puis vraiment à présenter le pays en entier. Ça, c'était un gros... Parce que les Guinéens ne connaissent pas bien fait. Ouais. Merci. Ouais, vraiment. L'idée de cette émission, tu vois, en 2014 ou en 2015, je ne sais plus, je suis resté en Guinée parce qu'on avait des travaux à la radio. Et cette année, je dis non, je ne vais pas quitter la Guinée, je vais faire mes vacances à l'intérieur du pays. Et c'est comme ça, mon réalisateur m'a suivi, on était dans la voiture. Je suis en train de dire, tu vois, comment on est libre quand on va à l'intérieur du pays, on n'est pas stressé. Mais tout ce qui s'est passé dans son premier numéro là, c'était même pas scénarisé. On faisait un truc comme ça, déliré en fait. Et ça m'a donné envie d'aller à l'intérieur du pays, je te jure. Ça t'a donné même envie d'aller voir d'autres préfectures, d'autres... Ouais. Écoute, mais aussi longtemps, la taxe là c'est la base. Aussi longtemps qu'on ne pourra pas financer notre développement nous-mêmes, on n'ira nulle part. Parce que les Occidentaux ne vont pas financer. Parce que tu vas donner des taxes ou bien tu vas. Mais c'est petit à petit. Est-ce que vous pensez. Mais vous pensez qu'ici, il n'y avait pas la corruption? Mais ça ne les a pas empêchés. Mais ça les a, mais ça les a pas empêchés de mettre en place ces politiques-là. Voilà. Oui, oui, elle vient de dire ça. Je comprends, mais ça ne doit pas nous empêcher, parce que c'est une excuse pour ne pas mettre en place des politiques. Ça ne devrait pas nous empêcher de mettre en place des politiques. Sinon, c'est le statu quo. Sinon, c'est le statu quo, on ne va pas avancer. Parce que moi, je dis aux gens, écoutez, ici, ils ont, par exemple, les banques. C'est seul en Guinée que tu vas voir. Les banques primaires ne financent pas les gens pour construire des maisons. Ouais. C'est pas normal. Ouais. Moi, je dis aux gens, pourquoi vous ne mettez pas un processus entre la banque centrale qui libère de l'argent, qui donne aux banques primaires et qui garantit et l'État, si tu n'as pas les moyens...